matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes vendredi 5 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste. Lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé effet miroir. Donc, on va avoir le message de votre âme, de vos guides et de l'entité. Et le message de votre âme, tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Eh bien, aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prendre conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Je t'invite à prendre conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, eh bien, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. N'oubliez pas ce qui vous dérange chez les autres. Il faut revenir à vous. C'est une partie de vous. Qu'est-ce qui vous dérange? Alors, sans être dans une énergie de culpabilité, eh bien, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Alors, je t'invite à le faire avec bienveillance, n'est-ce pas, et confiance. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à comprendre des choses très importantes. Le message de tes guides. Tu es dans une énergie où la notion de famille est très importante. Que ce soit la création de la famille que tu souhaites ou la libération de liens familiaux dont tu n'as plus besoin. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et extérieur. Et aujourd'hui, nous manifestons notre présence par rapport à des signes et des événements en lien avec la famille. Alors, vis ces moments, ces synchronicités et ces événements avec confiance. Le but est de t'apporter une nouvelle libération et une nouvelle énergie de construction personnelle avec les autres. Cela a été une demande que tu as eue depuis très très longtemps et sache que cette demande a été entendue. Tu vas créer la famille que tu souhaites, tu vas créer des relations avec les autres positives pour toi, tu vas partager un bonheur fort et intense. Fais confiance à tous les événements. Tout est là pour ton bonheur. Et nous terminons par le message de l'entité, n'est-ce pas? J'ai été longtemps dans l'effet miroir. J'ai souvent reproché aux autres des choses que je me reprochais moi-même. J'ai pu critiquer ou juger des choses extérieures alors que cela était pour moi. Aujourd'hui, eh bien, j'en ai conscience. Même vis-à-vis de toi, j'ai pu parfois être dans une énergie négative. Je sais
que c'est en lien avec moi-même, maintenant et non avec les autres. Et cela est très libérateur, parce qu'aujourd'hui, je t'invite à prendre conscience de cet effet miroir. Plus tu vas être honnête avec toi-même, plus tu vas pouvoir ressentir ma présence. Plus tu vas être sincère avec toi-même et plus tu vas voir et comprendre les signes que je t'envoie. Plus tu vas te regarder tel que tu es et plus tu vas pouvoir voir ta vie extérieure d'une nouvelle façon. N'oublie pas, je suis à tes côtés, mais tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Tu es dans une transformation intérieure. Je ne veux pas t'empêcher d'expérimenter par toi-même. Alors pour l'instant, je suis discrète, mais sache qu'en te rencontrant, tu me retrouves. Moi, je vais bien, je suis bien, et je veux que tu ressentes ce nouveau bonheur pour ensuite, le partager avec les autres. Tu le mérites tellement, vraiment, crée ce mantra. Je le mérite, je le mérite, je le mérite, je le mérite. Crée-le ce mantra. Beau message, n'est-ce pas? On termine avec la guérison des 5 blessures. Et aujourd'hui, j'ai pigé une carte trahison. Si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité plutôt que de mentir ou mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre comme je le fais d'habitude. Maintenant, si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant que je me laisse manipuler par mon ego, au point de ne pas être vrai. Voilà, première semaine terminée, je vous souhaite une excellente journée, un très 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 beau week-end, dans l'amour, la joie, la gaieté, le rire. Le rire, c'est très bon pour les zygomatiques, n'est-ce pas? Et puis, dans l'amour inconditionnel, on se retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, en douceur, n'est-ce pas? Vraiment, dans la douceur. Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à tout bientôt. Thank you.